Non, elle rêve pas, tu dis que la mienne. Hein. Ses voisines, elles sont normales. Vas-y, elle me fait un jean, une paire de baskets et ciao, je m'en vais travailler. Non, madame, 3 heures pour sortir. Elle commence à 7 heures, elle sort à 8h30. Elle arrive toujours en retard. À 19 ans, Najet vit toujours chez ses parents à Marseille avec sa petite sœur Myriam, âgée de 14 ans. Depuis toute jeune, elle a toujours été obsédée par son apparence physique. Durant la semaine, Najet travaille comme auxiliaire de vie dans une école maternelle, ce qui ne l'empêche pas tous les matins de mettre une éternité à se préparer. Sa maman le sait, c'est donc aux aurores qu'elle a pris l'habitude de la réveiller. Tu te lèves, Najet, lève-toi, il est 7h30. Un réveil toujours compliqué pour la jeune femme. Comme tous les matins, son premier geste va être de se regarder aussitôt dans la glace. Oh, dis-moi, tu regardes quoi dans la glace? Qu'est-ce que tu regardes, là? Ah, ça, c'est bien, ça. Il est où, mon peignoir? Il était là, mon peignoir.